Bon, là, il est l'heure de vendre un petit labo d'acide. On va aller encaisser 500K, les gars. Let's go. Et si... Ah, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Désolé, frérot, d'avoir percuté ton pare-choc. Attends, il a fait demi-tour, le mec. Attends, il est sérieux. Parce que j'ai percuté son pare-choc, il a fait demi-tour, il veut ma peau. Ouais, mais bon, je suis en train de vendre, là, les gars. Je peux pas me permettre de perdre ma marchandise. Elle vaut 500 000 $. Bon, je vais tracer, je vais passer la deuxième. Let's go. Attends, il me suit toujours, le mec. Vous savez quoi, je vais descendre. On va essayer de l'intimider avec ma kalash. Alors mec, il est parti, il a tracé. Il a tracé sa route, ok. Petit stunt au passage pour la mif, let's go. Ok les gars, j'y suis presque. Donc dernier point de livraison. Et j'ai l'impression qu'il a fait son retour. Le mec à qui j'ai percuté le pare-choc. Parce que là, attends, je vais appeler les keufs. Je vais appeler les stars pour perdre des keufs. Mais non, il est revenu. Il est revenu avec sa voiture Humanitech. Il m'a tué. Non, Asbiondal m'a explosé. Et maintenant il va s'y prendre à ma marchandise, j'en suis sûr. Ouais, il l'a fait les gars. Heureusement que j'avais livré 4 sur 5. Mais il a détruit mon acide, ce Asbiondal. Ok, ok, ok. C'est comme ça que ça se passe, pas d'accord. On va vite le faire descendre de sa bagnole Humanitech. Problème avec Humanitech, voilà, on peut pas le con, hein. Ni avec la MK2, ni avec aucun véhicule. Faut vraiment être précis de chez précis et c'est ce qu'on va faire ici. Allez, tiens-moi ça, Humanitech ou Humanitac. On fait un tic-tac à ce Biondal. Voilà, voilà frérot. Tu sèmes ce que tu récoltes mon pote. Attaquer les business des autres. Ah ok, mamie. Ah, il m'a fait descendre ma MK2. Bah, écoute, on va pas lâcher ce mec. Voilà, voilà, un kill en plus. On va essayer de l'intimider un max avec la MK2. Et dès qu'on aura envie, on va passer au combat terrestre. On dirait qu'il a disparu le mec, non? Il a disparu? Non, me dis pas, il s'est TP. Oui, oui, c'est bien lui, il s'est TP. Il s'est TP, il en avait marre. Il s'est TP dans son appartement. Ok, bah écoute, moi les gars, franchement, je vais continuer mes ventes, hein, tranquille. Je vais pas l'attendre qu'il sorte de son appartement. Allez, boîte de nuit réalisée. On a fini la vente. Ah, franchement, ça fait plaisir. Pas de danger dans les parages, on a réussi la vente de la boîte de nuit. Attends, il y a une organisation orange qui s'est mise en organisation fantôme. Attends, orange c'est bien Asbiondal, mais oui c'est lui. Pourquoi il s'est mis en orga fantôme les gars? Ah, il y a un Rocket qui... Attends, il a tué Mad Boy ou je rêve? Attends, mais c'est lui, c'est lui les gars. Il est venu jusqu'au nord de la map pour me suivre. Oh non mais c'est incroyable, il veut rien lâcher ce mec. Attends, il doit être quelque part, mais il est en orga fantôme, je le vois pas, il est là les gars. Il... Oh non, 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 il est là. On va pas lui donner le kill, non. Bon les potes, j'ai décidé de lancer une petite vente bunker. Et regardez qui sera avec Mad Boy à ses trousses. Le mec en orange. Le Dylan Boy, je sais plus comment il s'appelle. Regardez, il est juste... Oh, il est déter ce mec. Asbiondal, Asbiondal. Il est déter. Ok, bon les potes, il faut quand même qu'on sauve notre marchandise. Hein. Il y a quand même pas mal de stock. Oh non. Oh non, il a eu les gars. Il a détruit encore une fois ma marchandise. Il a détruit mon labo d'acide, maintenant mon bunker. Mais il est incroyable ce mec les gars. Franchement il est incroyable. Bon les gars, on va faire une petite expédition punitive en laser. Il est où ce mec? Ok, il est vers là. Attends, il est vers son agence. Il veut rappeler une voiture humanitaire, j'en suis sûr. On va l'en empêcher. Voilà. Petite rafale. Bon, on dirait qu'il a changé de véhicule là. Il a pris le labo d'acide. Il a senti la mort venir du ciel. Il s'est dit, tu sais quoi, je vais prendre un véhicule résistant. Moi je prends le Sparrow les gars, franchement le Sparrow va faire le taf. Ça va être une galère de l'exploser en laser. Et voilà. Sparrow au moins il sert à quelque chose. Il est à pied, viens on lui met un kill en Sparrow. Voilà, allez. Bon le Sparrow il est temps de le quitter les gars. Le navire a coulé. Voyons voir ce qu'il vaut au sol en sniper. Attends, 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 attends. Il s'est mis en pause, il s'est mis en pause. Non, me dis pas que c'est vrai. Il s'est mis en pause, il s'est mis en pause. Il a quitté. Asbiondal a enfin quitté la partie. Incroyable. Bon ben voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Voilà, on a corrigé un petit noob qui aime bien exploser les marchandises des autres. On l'a bien fait rush kit. Si vous avez kiffé les gars, mettez un petit like, mettez un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur GTA.